Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Live TV. Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023. Espoir Mouinouka, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien? Ouais, nous allons bien, on ne baisse pas garde. Quelles sont les nouvelles ce matin à Goma? Nous sommes jeudi. À Goma, c'est vraiment la situation est relativement calme. Mm-hmm. Il n'y a pas eu de bruit de bottes. Mais les restes sont volatiles. Oui, sauf les alentours de la ville et l'alerte générale qui est lancée dans la ville, mais aussi la nomination du conseiller, si je veux dire spécial, c'est principal du gouverneur. C'est cela les actualités dans cette ville. Mm-hmm. Alors, Espoir Mouinouka, quand on commence chez les voisins, vous avez vu, il y a Kabarebe qui retourne aux affaires. Hein. En fait, pour moi, c'est un non-événement, mais aussi c'est un signal fort qui montre que l'homme qui a été cité par les rapports des Nations Unies comme meneur des opérations, bien chef des opérations en RDC par l'RDF et les 1-23, est encore vivant, il n'est pas mort comme les gens le pensaient. Puisque nous, on pensait que peut-être le diable Kagame a pris conscience en poussant la retraite de M. Kabarebe, mais pour nous dire qu'il ne baisse pas garde, qu'il ne recule pas, il nous représente encore son seigneur des morts, notamment M. Kabarebe. Mais pour nous, c'est un non-événement, puisque nous sommes toujours conscients que la guerre est là et nous sommes conscients que M. Kagame ne baisse pas aussi garde. C'est que tous nous sommes debout. Et eux aussi qu'ils soient debout, c'est de la bonne guerre. C'est un signal qui montre que la guerre, on est loin de finir cette guerre. Non, quand on parle de M. Kabarebe, on parle de seigneur des morts. Puisque vous savez, plus de 12 millions de morts que la RDC a déjà connus sous le label de M. Paul Kagame, sous l'exécutant de M. James Kabarebe. C'est que M. Kabarebe, c'est lui qui exécute les ordres donnés par M. Paul Kagame. C'est que ce sont des sanguinaires qui doivent être ensemble. Et je pense que leur chute va se précipiter tous ensemble. Il faut également préciser que Paul Kagame, président rwandais, a nommé en tout cas son bras droit, James Kabarebe, au poste de ministre d'État en charge de la coopération régionale. Mais un rappel, Kabarebe est également accusé par les experts de l'ONU d'avoir conçu et piloté les opérations RDF M23 s'il est seul Congolais. Exactement, c'est ce que je venais de dire. En fait, Kabarebe, c'est un chef de chasse de M. Paul Kagame. C'est son seigneur de la mort. C'est que si Kagame dit, je vais encore massacrer, comme j'ai déjà massacré 12 millions de Congolais, mais il faut encore massacrer autres 8 millions, c'est M. Kabarebe qu'on envoie. Et Kabarebe, je crois, pour chercher à laver son image, on le place aujourd'hui au poste de ministre d'État en charge de coopération régionale. Mais moi, je pense que tout ministre ou bien tout pays sérieux, personne ne peut accréditer M. Kabarebe dans son pays. Puisque quand vous voyez Kabarebe, vous voyez l'ange de la destruction. Voyez-vous, c'est qu'aucun pays sérieux ne peut accepter que M. Kabarebe puisse fouler ses pieds dans ce pays. Puisque je pense que bientôt Kabarebe, et d'ailleurs aussi c'est une brèche qu'on donne à la communauté internationale ou bien à la CPI, de mettre un mandat d'arrêt international contre Kabarebe, et là on aura l'accès facile à l'arrêter. Puisque lorsqu'il va oser de fouler ses pieds dans les pays où il y a encore l'essence d'humanisme, il faut arrêter ces personnes. Ce n'est pas des personnes qu'il faut laisser circuler librement, puisque c'est l'occasion qu'on les donne de recruter d'autres sanguinaires dans la région des Grands Lacs. Mais c'est compliqué, espoir encore, les gens vous risquent de fuir. Non, pour nous, ce n'est plus la question de fuir. Est-ce que pensez-vous que la nomination de Kabarebe, parce que c'est un poste clé aussi, c'est pour la région, est-ce que c'est lié à la situation qui traverse aujourd'hui la région? Exactement, puisque vous savez, lorsque M. Kabarebe était à la retraite, quoique c'était une retraite flattée, il y avait quand même la calomnie. Et vous avez vu, quand il a été nommé, les terroristes rwandais, ils ont célébré. Ils ont ouvert leur champagne à Bunagana, qui est leur patrouille de retour aux affaires. Vous savez que M. Kabarebe a travaillé au moins à 98% pour la constitution de ces terroristes rwandais RDF 123. C'est lui qui partait recruter en Érythrée, c'est lui qui recrutait en Éthiopie, même en Somalie. Il y a certains mercenaires qui sont
dans les M23 venus du Somalie. Et c'est lui qui mobilisait ses militaires pour accompagner ces gens. C'est pourquoi vous avez vu, quand il a été nommé, les terroristes rwandais, ils ont jubilé à Bounagana. Mais moi, je ne peux leur dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais nous n'avons plus une population qui est à mesure de fuir. Nous avons une population qui est à mesure de se sacrifier. Vous savez, quand nous sommes, aujourd'hui, chez nous, à l'Est, nous sommes déjà habitués aux menaces, nous sommes habitués à enterrer les nôtres, c'est que nous n'avons plus le temps de fuir. Que Kagame, lui seul, se présente les champs de bataille, personne ne va encore fuir. Nous allons vous résister. Si vous allez nous exterminer tous pour installer votre population comme vous avez ce souhait, faites-le. Mais je ne crois pas que vous allez y parvenir. Nommez tout celui que vous voulez. Nous sommes là et nous allons aussi nous organiser. Nous ne sommes pas des femmes. Vous allez vous organiser. Ouais. Quand? Et d'ailleurs, c'est pas s'organiser. Nous allons continuer à nous organiser. Nous sommes déjà organisés. Nous ne sommes plus cette population-là qui fuyait jour et nuit. Nous avions résisté. Vous savez, ces terroristes rwandais avaient récupéré la ville de Goma, ça avait que 4 coups de balle, puisque tout le monde avait déjà fui. Mais actuellement, tous nous sommes debout. Depuis que la MONUSCO faisait la campagne pour ces gens qui sont lourdement armés, est-ce qu'on avait fui? Depuis qu'ils nous disaient qu'Abarebe lui seul commandite les opérations, est-ce qu'on avait fui? On a tenu debout. Et qu'on les nomme partout, on veut qu'ils puissent devenir même président. Chez nous, c'est un événement. Nous allons tenir toujours debout. Ce qu'il a fait, ça regarde que lui. Nous, on ne peut qu'appeler que la population de la région des Grands Lacs de bien comprendre que la personne qu'on nomme comme ministre de la coopération régionale, c'est un grand sanguinaire. C'est quelqu'un qui avait aussi, quelqu'un qui avait travaillé non seulement pour la création de ces terroristes rwandais en 2009 avec M. Mwanga Tchoutchou, mais aussi c'est quelqu'un qui avait aussi travaillé pour la conception du génocide au Rwanda. C'est que c'est un grand génocidaire qu'on nomme. Et je pense que lorsqu'il y aura un mandat d'arrêt international, chose qui est en pleine préparation, je pense que les pays voisins, on peut aussi les faire. Vous voulez préparer. On peut les faire. Mais la Russie a lancé un mandat contre le président de la CPI, le procureur de la CPI. On peut aussi lancer un mandat contre Kabarebe. C'est tout à fait normal. Et vous allez l'arrêter. Mais oui. Comment? Et on nous ramène, lui, vivant ou mort, c'est tout à fait normal. Qui va vous l'amener? Oh là là, attendez voir. Mais il y a d'abord l'M23 qui est là, au Kusile, le sol congolais, puis vous allez aller ramener quelqu'un qui est à Kigali. Attendez voir. Par quelle magie? Attendez voir la suite. Ah. Attendez voir la suite. Nous, vous savez, avec l'évolution technologique et avec aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, vous allez récupérer. Non, c'est pas dans ce sens. C'est pas, ça peut nous aider plutôt à géolocaliser tous ces mouvements. C'est tout à fait normal. Oui, non, c'est pas du film. Non, je, vous savez, moi, je n'ai jamais. C'est pas de la comédie. Je n'ai jamais crié à la comédie. Mais je vous dis. C'est pas du théâtre. Je vous dis. Non, c'est un grand comédien d'ailleurs. Je vous dis. Oui, quand je l'ai dit, c'est tout à fait normal, j'assume mes propos, puisque on ne comprend pas, c'est lui qui sait. Toi, tu crois l'intelligence artificielle pour arrêter Kabarebe? Vous savez, je ne crois pas, attendez, je ne crois pas que c'est avec l'intelligence artificielle qu'on va l'arrêter, non. Mm-hmm. Je vous dis, aujourd'hui, avec cette révolte populaire, mm-hmm. mais vous savez, beaucoup de pays au monde qui ont si arrêté les grandes personnes que les gens pensaient qu'ils sont inarrêtables, voyez-vous, mm-hmm. c'est que les gens peuvent penser aussi que Kabarebe, il est intouchable avec son chef, le seigneur aussi de la mort, monsieur Paul Kagame, les sanguinaires, mm-hmm. qui sont intouchables, mais attention, Dieu peut vous confondre. Ils sont touchables puisqu'ils ont le même sang que nous. Ils ont, tous nous avons la dette de la respiration, voyez-vous. Personne n'est superman que les autres. Personne n'est super que les autres. Et ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas les craindre. Nous ne pouvons pas les craindre. Nous allons les défier jusqu'au sacrifice suprême. Et les arrêter, il y a beaucoup de formes de les arrêter. Il peut hasarder comme il a été nommé ministre de la coopération régionale, il peut hasarder se rendre à Routchou. Il a le même rat que Nyamouissi. Tous des rebelles. Bon. Ah, quand je parle de notre ministre Mboussa Nyamouissi, là, que je salue. Mais aussi, c'est un rebelle, vous pouvez comprendre. Vous non, c'est tout. Ancien, non, attendez. C'est tout. Ils ont tous collaboré. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est que, et d'ailleurs, je crois, en nommant Kabarebe, c'est vouloir concurrencer la personnalité de M. Nyamouissi, puisque ce sont des ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent. C'est comme Nyamouissi a été nommé ministre de la coopération régionale, un ancien rebelle, voilà, avec qui il collaborait. Nous devons aussi nommer M.
Kabarebe comme aussi c'est un ancien. C'est pas qu'il faut alors collaborer. moi non c'est dans le Peut-être ils veulent sera contraire non à des, ils veulent dans ils des veulent occasions ils veulent futures. faire un contrepoids ils veulent faire un contrepoids mais nous personnellement nous savons que notre diplomatie actuellement est au bon fixe que la diplomatie rwandaise. Si on nomme Kabarebe à la coopération régionale, c'est tout simplement vouloir faire peur aux dirigeants, à certaines autorités de la région des Grands Lacs, pour leur dire, puisque vous savez, Kabarebe a joué un rôle très important dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Et quand on fait revenir l'ange de la mort, c'est tout simplement vouloir faire peur à certaines autorités qui ont tourné le dos à la politique rwandaise. Mais je pense qu'actuellement, même si on peut faire peur à n'importe quelle autorité dans la région des Grands Lacs, nous avons une armée pour les sécuriser. L'armée déjà là. Aujourd'hui, nous avons une armée à mesure de sécuriser derrière l'Afrique en général. Vous êtes fiers de le dire. Nous sommes fiers de le dire. Nous avons aujourd'hui. Mais exactement. Notre armée est à mesure aujourd'hui de s'imposer. L'armée, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo. FARDC, exactement. Composée de la garde républicaine. Ouais. L'infanterie. La marine. Ouais. Forces aériennes. Force terrestre, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. Force spéciale. Là, n'en parlons plus. Avec seulement l'unité de spéciale. Force spéciale, ils sont à mesure de s'imposer. C'est là qu'on a vu en démonstration ici. C'est pas une démonstration, ah. C'était une erreur. Okay. C'était une erreur. Ah, la tension monte encore entre les FARDC et les M23 dans l'est du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont signalé une escalade des tensions avec les groupes rebelles M23 dans l'est du pays mercredi, marquant un nouveau chapitre dans la longue histoire de ces conflits. Selon un communiqué de l'armée congolaise, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise cherchent à perturber les accords en vigueur. Ces événements interviennent peu d'État après le discours du président Tshisekedi à l'Assemblée générale des Nations Unies où il a réaffirmé son refus de tout dialogue direct avec les M23. D'après l'armée congolaise, les rebelles du M23 ont récemment occupé au moins 7 localités et positions s'approchant de Goma. Les FARDC considèrent cet acte comme une énième provocation et appelle la communauté nationale et internationale ainsi que les organismes de vérification régionaux et ad hoc à tirer toutes les conséquences de cette situation. Les FARDC ont également souligné leur préparation en toute éventualité. Minoka. Bon. Vous savez, je l'ai toujours dit, lorsque l'ennemi parvient à s'accommoder à votre mode opératoire, il vous prend comme ses amis. Et les 1-23 commencent à prendre notre FARDC comme ses amis, comme les personnes avec qui ils peuvent rigoler, comme ils rigolent avec les AC. Tout simplement puisque nous sommes restés dans des discours que de passer à des opérations. Quelque chose que nous, quand même, ça nous blesse. Et oui, nous savons, nous ne sommes pas de ces secteurs, c'est que nous ne sommes pas des militaires, mais quand même, nous essayons de réfléchir. Et quand nous voyons comment est-ce que ces terroristes rwandais RDF commencent à réoccuper les positions qu'ils occupaient encore, c'est un signe, ça nous dit quelque chose. Et que notre armée, nous sommes aussi restés sur nos positions, nous croisons les bras, mais apparemment les politiciens cherchent aussi à blaguer avec la population. Moi je pense que les politiciens devraient mettre leur politique au service de la population. Puisque quand nous voyons les préparations de notre armée, l'armée est très déterminée pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Mais les politiciens, comme l'a dit, je paraphrase le chef d'État, le gouverneur, le major Peter Chirimwami qui a dit, non, le général, le major, le gouverneur de la province Peter Chirimwami, comme il a dit, que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Bon, on comprend que tout devient politique dans ces pays. C'était juste une erreur. Non, tout devient politique dans ces pays, puisqu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment ces gens commencent à réoccuper et ils ont mis même les AC derrière leur ligne. Mais ça devient grave. Donc ils ont défié. Non, ça devient grave. Ils ont traversé là où se trouve les AC, ils ont mis les AC derrière eux. C'est comme si les AC devient
C'est eux qui portent les sacs au dos des militaires des F-23. C'est impossible. Quand on met les assez derrière et que nous, on est là, on les dit, ne traversez pas. Mais il fallait les abattre. Et puis l'armée congolaise, elle, on les dit, non, écoute, ne traversez pas. Ne traversez pas, nous, on reste. Ça veut dire qu'ils vont même rencontrer notre armée là où ils sont. Puisqu'elle est assez, ils s'interposaient entre nous. Mais on se rend compte que l'EAC accepte, il laisse ces gens de passer calmement, sans même les bouger, sans même les dire vous allez où. Il les laisse passer. Et nous, on dit, on observe les cessez-le-feu. On observe les cessez-le-feu jusqu'à quand? Ils se sont stoppés apparemment ici, à la porte de Goma. Non, c'est juste ici, à Kibumba. Devant même à Kanyamahoro ici. Mais c'est impossible. Et moi, bon. Je pense que nous laissons la chance aux autorités de faire ce qu'ils pensent. L'essentiel pour nous, la population, c'est de se mobiliser. Nous allons faire ce que nous pouvons. Et l'armée. Vous allez faire. Non, nous allons faire ce que nous pouvons. Ah, et là. La population, a, tout le monde, nous avons le consigne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a pas une loi qui garantit ou bien qui donne le pouvoir aux civils. Il y en a. Vous savez, ça va arriver un moment où la population ne va même pas attendre de qui que ce soit. Peut-être qu'ils viendront. Si c'est appuyer la population, s'ils vont laisser la population partir, je ne sais pas. Mais nous, nous allons faire ce que nous pouvons, puisqu'on ne comprend pas comment est-ce que. On peut nous prendre comme des femmes, comme des enfants. Nous sommes des êtres humains, tous nous avons droit à la paix et nous devons nous prendre en charge. Point barre, il n'y a plus question d'attendre qu'il y ait ça et ça, qu'on laisse les politiciens faire la politique, que la population se prenne en charge. C'est ce qui nous reste comme dernière option. Se prendre en charge, ça veut dire. Utiliser tout ce que nous avons comme moyen de bord pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Mwinoka. Vous appelez la population. Vous aviez suivi quand même l'armée. L'armée, elle a bien précisé dans son communiqué. Non, c'est un communiqué. Écoute, ils ont toujours répété les mêmes choses. Ils ne changent pas les discours. C'est toujours les mêmes choses. On se prépare. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est révoltant? Écoute, les phares de son ont également souligné leur préparation en toute éventualité. Ça ne vous dit rien, Mwinoka? Non, ce n'est pas la première fois d'écouter ça. Ça ne vous dit rien? Ce n'est pas la première fois d'écouter ça. Nous, tout de suite là qu'on a une armée qui est incapable de combattre. Exactement. Même en Ukraine. Exactement. Moi, je me demande pourquoi laisser ces militaires dans des camps? Pourquoi laisser les gens les militaires jusqu'à quand? Moi, quand je vois notre armée, je vois que l'armée est aujourd'hui à mesure de combattre l'ennemi. Et je suis sûr et certain que les M23, c'est un serpent mort. Ils ne peuvent même pas faire une semaine face à notre armée. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui bloque nos autorités de réagir comme des autorités? Qu'est-ce qui les bloque? J'appelle vraiment la population à la prise nationale de la conscience. Nous devons nous soulever. Nous devons dire aussi à nos autorités de bien faire leur mission régalienne. C'est pas puisque nous, on se mobilise, que les autorités ne doivent pas se mobiliser. Nous les avions élus, c'est pour sécuriser l'intégrité du territoire national. Aujourd'hui, le territoire national est menacé, mais certaines autorités, elles préfèrent croiser les bras, elles préfèrent, je ne sais pas faire quoi, voyez-vous. Non, c'est révoltant, nous ça nous révolte. Nous voulons voir notre armée combattre. Nous voulons voir notre armée faire leur mission régalienne. Nous voulons voir les autorités se comporter en autorité. Est-ce que tu as un jour fait l'armée? Je ne suis pas militaire. L'armée, c'est pas comme la rime, Mwinoka. Où vous allez dire aujourd'hui nous allons marcher, nous serons, aurons pris victoire, on se limite, je ne sais pas, et aussi les boulevards. C'est pas ça l'armée. Papa, c'est tout. Ça doit se préparer. Il y a des techniques. C'est pas où vous pouvez dire Kabila doit partir. Non, nous n'avons plus. Vous n'allez pas dire l'armée doit combattre. Non, il y a des stratégies. Nous n'avons plus l'armée de M. Kabila. Nous avons une armée. Attendez. Nous avons une armée à qui la République a disponibilisé des moyens depuis 5 ans. Mais quand vous dites nous avons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui. Non. Ce que l'ennemi a pris par force, on ne peut pas le remettre par diplomatie. Ça, vous devez mettre en tête. On ne peut pas. Je sais que la diplomatie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que nous saluons son courage, produit des effets. Mais on ne peut pas comprendre, puisque aujourd'hui, les M23, ils cherchent à s'imposer. Est-ce que nous allons encore dialoguer avec ces gens?
En dépit de tout ce que nous avions déjà vu. Il faut qu'on dialogue avec eux. Non, c'est la diplomatie. La diplomatie. Ils multiplient des sorties. On les ils multiplient. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand il fait tout ce qu'ils font aujourd'hui comme un meeting populaire, je ne sais pas quoi. Ils cherchent à laver le cerveau. Ils cherchent aujourd'hui la coopération terroriste avec la population, chose qui ne va pas tenir puisque aucune personne normale composée de cinq sens qui peut aujourd'hui accepter de collaborer avec ces terroristes. Même si nous, on s'oppose que la population ne puisse pas collaborer avec ces gens, nous mobilisons nos compatriotes de rester toujours debout, de ne pas céder, de ne même pas... Et d'ailleurs, quand vous, chers compatriotes de retour, vous qui êtes là, vous qui avez vos motos, quand vous voyez ces gens, n'acceptez pas de les amener sur vos motos, puisque ce sont des personnes maudites. Mais aussi, notre République doit tout faire pour mettre ces gens à l'extérieur. Lorsqu'on laisse ces gens respirer encore sur notre territoire, mais ça fait croire aux gens que nous avons peur de ces gens. Or, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ces 4 à 5 aventuriers, pilotés par la diplomatie de l'Union africaine, pilotés par la diplomatie de la MONUSCO, pilotés par la diplomatie de l'EAC, nous savons que nous sommes, nous, et nous seuls avec notre population et nos autorités. Nous n'avons personne derrière nous, mais nous ne devons pas fléchir les genoux. Vous avez seul la population. Vous qui? Nous, les citoyens lambda. Nous ne sommes que nous seuls et notre population. Votre population. C'est que vous nous ne sommes que nous-mêmes, nous la population et nos autorités. Non, je ne suis pas militaire. Parce que quand vous dites vous. Non, nous la population. Nous ne sommes que nous-mêmes et nos autorités. Nous n'avons personne derrière nous. Mais nous devons quand même montrer que nous sommes des hommes. Puisqu'il y a, d'autres personnes, quand ils veulent aider la RDC, mais ils se rendent compte que les Congolais sont aussi de la distraction. Les jeunes, c'est toujours la musique, football, je ne sais pas quoi, qui a rempli les stades. Nous ne sommes pas à mesure. Le pasteur Marcelo a dit ça. C'est que les jeunes ne sont pas même à mesure de remonter les débats. Vous savez, nos compatriotes de Kinshasa, ils doivent aussi comprendre. Nous sommes en guerre, mais ils sont dans la danse. Quand même, c'est une chose qui n'honore pas la République. Merci. Je crois que les autorités devraient aider la jeunesse à remonter les débats, qu'on puisse quand même adapter notre débat à la situation actuelle. Nous sommes en guerre, nous devons tous nous concentrer sur cette guerre. Merci. À part la détermination de la population de l'Est, la détermination de l'armée, et aussi, on ne peut pas manquer ne pas reconnaître les bravoures aussi et la détermination du chef de l'État, président Tshisekedi. À part ça, je vous dis que le pays devrait déjà partir. Certaines autorités, ils ne comprennent pas, ils sont dans la danse. Au chef de l'État que nous arrivons à la fin. Je ne donne pas les éloges, je les dis plutôt, je l'encourage plutôt. Ce n'est pas des éloges, je l'encourage. Espoir Mouinou, militant de la lutte tshisekediste. Merci d'avoir été là. Je ne suis pas tshisekediste, je suis apolitique, je ne suis pas tshisekediste. Mais vous aimez juste un chef de l'État, en tant que citoyen. Attendez, j'apprécie quelques actions du chef de l'État, mais vraiment je n'apprécie pas quelques agissements de personnes qui sont aux alentours du chef de l'État. Merci, mesdames puisque et messieurs. Si le chef de l'État avait ne fût-ce que 5 ministres comme lui ou bien comme moi, on devrait mettez à côté quelqu'un qui il dit le projet qu'on avait commencé depuis 2007, il dit il y a Boudimbou qui a Goma, il y a son ajoué qui est là, madame que je salue, comment ça s'appelle, maman Wivine et moi les camps. Il y a des sérieux problèmes. Il y a également le ministre de plan. Imaginez un ministre qui dit à ciel ouvert les opérations. Merci, on va vers ça. Donc quand même il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire et nous encourageons le chef de l'État. Je crois qu'il y aura un gouvernement de la transition. Je crois qu'il y aura, avant que nous n'allons aux élections, puisque bientôt là nous allons partir. Vous voulez la transition, vous prêchez la transition ici. Le président est déterminé à organiser les élections. Non, attendez, c'est... Merci, bye bye. Il y aura